Ah ben, je sais, ben en vrai, je vais être très honnête avec toi, je suis pas dans ma chambre là aujourd'hui, je suis dans mon salon. Ça va, déjà, je vais passer de la chambre au salon. Est-ce qu'on continue à se jeter comme ça ou est-ce que... Et on va mourir parce que, en fait, le problème, tu veux, c'est que quand t'es comme ça dans cette situation où vraiment t'es en bas et que tu n'arrives même plus à communiquer avec les gens, tu n'arrives même plus à leur parler, tu n'arrives même plus à travailler, tu n'arrives même plus à répondre, c'est-à-dire qu'on t'envoie des courriers, tu réponds plus. Mais ben, en fait, il y a tout le monde qui... se montent des montagnes et qui disent putain, regarde, elle est comme ça, et en fait tu te fais accabler, 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 et tu t'étouffes, tu t'étouffes, tu t'étouffes, tu t'enfonces, tu t'enfonces, t'es complètement désarmé, tu vois, c'est-à-dire tu ne peux même pas, t'es même plus audible, les gens ils t'écoutent plus, les gens, enfin, et du coup bah tu te dis bah comment je vais, qu'est-ce que je vais faire, bah en fait, bah tu dis ok, bah c'est tellement lourd en fait à porter, tu vois, t'en as tellement, 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 tellement que soit bah tu te dis ok, t'abandonnes, tu te jettes par la fenêtre, mais vraiment clairement, hein. Parce qu'il n'y a pas d'issue, tu vois. Il y a eu un moment donné où toutes les secondes, mon téléphone, tout, 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 tu me réponds pas, demande mon argent, ça, 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 ça. Et tu dis, mais j'arrive même pas à travailler, j'arrive même pas à me lever en fait, j'arrive même pas à répondre, j'arrive même pas à rien faire. Tu peux plus. Donc. Et puis l'autre qui s'arrêtait pas, il continue tous les jours, toutes les heures, tout, 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 tout. C'est même pas comme si, tu sais, tu te fais harceler par un gars qui a décidé de te détruire et ça dure pendant un mois. Tu dis, ça va durer 15 jours, ça va aller, ça va durer un mois, ça dure un mois. Bon, ça va aller, ça dure 2 mois, tu dis. Putain, ça commence à être long, ça dure 3 mois, tu dis non mais s'il vous plaît, vous pouvez m'aider là parce que je peux plus là, ça y est, ma tête elle commence à tourner comme ça là, ça y est, je peux plus. Et au final ça a duré 18 mois, tu vois. Donc, mais maintenant que la police, enfin que la justice elle a géré et qu'il est interdit parce qu'il a un contrôle judiciaire et je parle de Booba, c'est de l'harcèlement monstrueux, tu vois. Et puis il y a derrière toute sa troupe et toute sa meute qui enchaînait et qui quand c'était pas lui, c'était les autres, tu vois, c'était pouf. On peut même plus avoir de bureau parce que le bureau ils l'ont cassé. 3 fois. Donc si tu veux faire quoi? Tu te dis ok, bah t'es condamné à travailler chez toi en fait. On va réécrire l'histoire et on va repartir à zéro. C'est comme ça. De toute façon on n'a pas le choix maintenant. Tu vois, c'est, tu te dis je vais pas le laisser gagner, je vais me reconstruire, je vais reconstruire mon histoire, je vais dire la vérité, je vais expliquer les choses maintenant qu'il a plus le droit de s'acharner toutes les secondes à chaque fois que je dis quelque chose et j'ouvre la bouche pour me faire taire et pour que je sois pas audible. Et ben maintenant que je peux parler, parce qu'on m'a donné ce droit de parler en lui mettant sous contrôle judiciaire, tu vois, c'est-à-dire on m'a rendu mon droit à la parole et à vivre, et ben. Et ben maintenant je vais montrer la vérité et je vais montrer je vais tout montrer, voilà, c'est tout. On vous retrouve aujourd'hui au Cultura de Plan de Campagne pour accompagner Magali. Pourquoi avoir accepté l'invitation? On n'aime pas Magali, on est venu comme ça au hasard. Non, bah c'est normal, c'est notre deuxième maman, elle est tout le temps là pour nous, donc c'est normal qu'on soit là pour elle pour un événement pareil. Je suis très fière qu'elle ait fait son petit livre et qu'elle raconte sa vie. Voilà, donc Amélie, Raph, Aurélie Preston, Capucine Anav, Mila, du beau monde, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens de C8, beaucoup de gens, tu gères ça. Un peu tout le monde. Hein. Pas mal de monde de même Pimis. La personne qui est là qui a rien à voir, elle dit qu'il la gère. Hein, dans Magali Berda, c'est elle qui a développé cette nouvelle économie. Qu'est-ce que représente Magali pour vous? Pour nous, bah, c'est la personne qui nous permet de faire un parcours tous les mois déjà. J'ai commencé le métier d'assureur à 23 ans à peu près. J'étais en fac. Elle est considérée comme la patronne des influenceurs. Toute la classe politique lui a déroulé le tapis rouge pendant la campagne présidentielle. Vous voulez qu'on s'assoie ou on reste? On s'assoit, c'est plus sympa. Merci. Hein. Ah, moi je suis Magali. Moi je sais. Ah bon, d'accord, ok. Connue jusqu'à l'Elysée, Magali Berda a été reçue par les principaux candidats pour des entretiens en tête à tête. On a essayé de nous être beaucoup plus sélectifs pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Pour limiter les abus, on a créé donc une équipe de juristes qui va vérifier les sites avec des détails bien plus précis, que ce soit les sites, le fonctionnement, le gérant. On fait vraiment des contrôles plus pointus. Et voilà Magali Berda à la tête d'un petit empire de 60 salariés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a même été élue parmi les 40 femmes les plus influentes de France par le magazine Forbes. Depuis plusieurs mois, le rappeur Booba mène un combat contre ceux qu'on appelle les influenceurs. Faites gaffe, hein, il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Sur les réseaux sociaux, il dénonce presque chaque jour les pratiques commerciales douteuses de ces célébrités d'Internet qu'il accuse d'escroquerie. Du coup, très vite,
il s'attaque à celle qui est à la tête de la plus grande agence d'influenceurs de France, Magali Berda, hein, qu'il qualifie de reine de la futilité. Alors Booba mobilise toute sa communauté en ligne, hein, près de 6 millions. Booba a commencé sa croisade le 17 mai avec des sujets qui étaient tout autres que les placements de produits, c'est-à-dire qu'il a commencé à mettre... Je voudrais vraiment que tout le monde l'entende, parce que ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est très grave parce que ça se fait aux yeux de tous. Vous êtes fondatrice de l'agence Shona Events qui s'occupe d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous aviez déposé plainte à plusieurs reprises après avoir été ciblée par Booba qui, jusqu'à une dizaine de messages sur Twitter par jour, avait donné finalement votre adresse. C'est une angoisse, hein. C'est un mal de ventre tous les matins, un mal de ventre tous les soirs. C'est des messages d'appel à la mort, décapitation, au suicide, appel au viol, avec mes données, des éléments confidentiels qui sont dévoilés sur les réseaux sociaux, des votre montages, adresse. Mon adresse. J'avais marqué, on a besoin d'aide. Est-ce que Twitter, depuis que vous avez porté plainte hier, a pris contact avec vous? Pour l'instant, non. Rien. Rien. Aucune réponse pour l'instant. Non, et je me faire massacrer de coups tous les jours, du matin au soir. Des coups. J'aurais préféré qu'ils m'attrapent physiquement, une fois, pendant 15 minutes, qu'ils me mettent des coups physiquement et qu'ils m'oublient et qu'ils me laissent tranquille. Personne ne souhaite ça. Parce que ça dure 16 mois. Ça fait 16 mois toutes les secondes et toutes les minutes. Les filles, on y va? Donc, je pense qu'on va mettre... on va mettre Jess ici. Là, tu vois, on voit que tes mains et tout ça. Et Shana, là, c'est bien. Parce que les gens, dans leur tête, ils disent quoi? Ah, on a encaissé des millions d'euros, Parce que c'est... En fait, c'est ce qu'eux ont voulu leur mettre dans la tête. Mais en vrai, c'est pas ça. C'est une entreprise qu'on a montée à la sueur de notre front. On a bossé comme des dingues. On a fait tout ce qu'on pouvait, on a réussi des choses, on a raté des choses, comme toute entreprise aujourd'hui, je pense, en France. Et aujourd'hui, ben, il faut la sauver. Et il faut remonter le truc, peut-être différemment. Peut-être qu'effectivement, l'histoire, il faut la monter différemment, j'en sais rien. Enfin voilà, j'ai envie qu'ils voient que, non, qu'il y a une équipe, qu'on bosse, qu'on se lève tous les matins, qu'on se bat, et qu'on va se relever. Et j'ai envie, du coup, comme tout le monde s'est délecté et s'est kiffé notre chute, bah, j'ai envie qu'ils voient aussi comment maintenant on va se remonter et comment on va pouvoir se relever et tout ce qu'on met en place pour se relever, et que c'est pas aussi facile que ça, et que la vie c'est pas un film en fait, et c'est pas tous les ragots des réseaux sociaux, parce que c'est trop facile de venir nous taper dessus toute la journée, boum 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 boum, ça fait 18 mois que ça se passe. Je pense que maintenant faut arrêter, quoi. Tout ce que vous voyez au quotidien ici toutes les semaines quand vous êtes là, et ben il faut que les gens ils le voient. Elle s'appelle Maëva. Ok. Et depuis qu'on lui a dit qu'elle allait avoir les caméras aujourd'hui, tu vois, Maëva est bien maquillée. Je t'explique, qu'elle s'est fait un make-up de fou. Tu vois, elle venait avant, c'était comme moi, t'as vu, on était vraiment des déchets toutes les en deux. Pyjama. Et là, bah, y a toute une. Tu vois, ce programme va nous faire renaître. On va ressembler enfin à quelque chose. Ouais. On motive. Demain, tu vas voir, j'ai ce qui est arrivé, t'es avec du pump-up sur la tête et tout, ça va être quelque chose. Et Mariama, c'est bon la caméra, toi? Oui. Ah ouais, elle a mis son gloss fancy. Ah, Mariama, c'est bon la caméra! Mariama, elle a mis son gloss, rose. Donc, du coup, wrap. Alors, wrap. Moi, je peux me faire un crampon, si vous voulez. Au son. Mais est-ce que tu crois qu'on va te dire non? Est-ce qu'on va te dire non, t'es interdite de manger un croque-monsieur? Mais franchement, mais ça me fait des... Alors attends, non, tu peux faire un croque-monsieur, mais qu'est-ce que tu m'en fais aussi? Okay. Allô? Mais si tu commandes des nouveaux saumons. Allô? Le copain du jour. Bah je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Ah, je me suis trompée, désolé. Ah, c'est pas grave. Ça va, celui-là, il est sympa. Celui-là, j'ai pas eu un gros pit. Alors attends, les filles, s'il vous plaît, il faudrait vraiment que chaque influenceur, là... On est obligé de faire une réunion avec eux pour savoir si est-ce qu'ils continuent avec nous, est-ce qu'ils arrêtent. Parce qu'en fait là, on sait qu'on est dans la merde, on sait qu'on doit tout reconstruire. Celui qui veut rester, il reste, mais il faut vraiment qu'il soit solidaire avec nous et qu'il se mette à fond avec nous. Celui qui veut pas, il a le droit, il faut qu'il parte. Quand tu dis tu restes à quelqu'un et en fait t'es là qu'un quart de ce que tu dois donner, bah en fait, nous on peut pas se reconstruire parce que les marques on les plante, les gens on les plante, enfin on n'arrive pas. Donc c'est soit tu pars et tu pars, soit tu restes et tu restes. Et au moins nous on sait sur qui aujourd'hui on va se focaliser. On sait sur qui on va se focus pour pouvoir redévelopper le truc et pouvoir relancer la machine. Voilà, même si on en a moins, mais au moins le peu qu'on a, on sait que, vas-y, on se met à fond sur vous, on se met à fond et on va vraiment se remonter tous ensemble. Donc là, il faut que vous appeliez vos influenceurs, que vous dites, voilà, est-ce que t'es ok pour faire un rendez-vous avec Magali et Stéphane, ils veulent se poser avec toi. La team qui reste, faut qu'elle sache tout, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Je m'en fous de ce qui se dit sur les réseaux, on s'en fout de ce qui se raconte, les gens ils parlent pour rien de toute façon. Mais
au moins ceux qui sont avec nous, on est transparents, et eux et nous. Et si on est transparent, que tout le monde est au courant de tout, les gens ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, on s'en fout, parce que nous on sait la vérité. Donc en fait, ils ont mis mon numéro de téléphone dans des groupes Telegram, genre qui ont 15 000 personnes, un autre de 15 000, un autre de 7 500. C'est mon avocat qui a fait la demande de protection policière. Okay. Parce que je reçois plusieurs centaines par jour de messages de... Ils ont demandé à ma décapitation. Okay. Bon. Ma tête quand même. Oui. Ah, c'est dommage. Quoi, c'était ça le résultat? C'est encore plus dommage quand même. Les filles, on va faire une réunion de travail. Ok. Je pense qu'il faut qu'on se reconcentre, qu'on redémarre tout à zéro. Et qu'on fasse monter. En fait, il faut vraiment leur faire des plans de carrière, tu vois. Il faut montrer autre chose, en fait. Ça y est, il y en a marre, tu vois. C'est que des problèmes, c'est que des trucs. Je suis fatiguée. Là, j'ai envie de faire un autre truc, en fait. Tu vois, par exemple, là, je vais voir Map de Rouleau, tu connais Map de Rouleau ? Je vais lui expliquer toute la situation, je vais lui dire toute la vérité. Voilà. Je vais dire, écoute, voilà, moi, j'ai besoin de me reconstruire. J'ai besoin de me refaire, donc soit tu viens, je suis à zéro, je pars terre, il y a rien à gratter. Mais soit tu viens, tu me tends la main, tu me donnes un coup de main en venant avec moi, et moi derrière, je vais tout donner pour essayer de te monter. Donc je pense que si on travaille différemment, tu vois, qu'on l'accompagne différemment, et qu'on lui dit, en fait, on l'accompagne à monter, un vrai plan de carrière, tu vois. En même temps, il va gagner, nous on va gagner, tout le monde gagne. Et je pense que les gens, ils ont envie de voir ça, ils ont envie de voir des histoires de vie, en fait, tu vois, autre chose j'ai ça, je kiffe, pump it up, machin, etc. Et en vrai, en plus, c'est même pas la réalité, parce que nous on est en train de crever ici, tu vois. Donc voilà, t'as compris, quoi. Bon, moi il faut que je gère un problème là, c'est mon contrôle. Alors attends, ta fille m'a dit que la banque, ils ont bloqué les plans. C'est pas naturel. Ouais, t'inquiète, on en aura. T'inquiète pas, parce que alors je t'explique, là on est devenus des vrais cassos. Mais ça, tu peux le filmer aussi. Ouais, mais ça s'affiche. Là, on est vraiment devenus des cassos. Donc, t'inquiète pas, des séquences sur la banque qui a des problèmes, tu vas en avoir toute la semaine. T'en as pour au moins 6 mois. Un peu des galères. Les gens nous aiment plus. Tu dis Shona Evans quelque part, tu sais, on dirait on est des trafiquants de drogue. Les vrais trafiquants, ils sont mieux traités que nous. C'est vrai, mais c'est jamais vrai. C'est ouf. Je sais pas qu'on a fait, mais on a fait quelque chose de mal. Mais je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre quoi. Pourtant, je suis en France, hein. C'est ça qui vous les boules, en fait. C'est que je suis en France, la société est en France. Mon mari, il est au max. Il défonce, le pauvre. J'ai besoin d'avoir le rôle de tout le monde, parce que du coup, il y a tout qui change et j'ai besoin de savoir qui fait quoi. Parce qu'il faut que tout le monde travaille, en fait. Je peux pas... Hop. Jess. Elle est là. Elle est là. Non, parce qu'en fait, je pense que TM, on va voir si c'est pas Mariama et Estelle. Maëva qui récupère ça, parce que comme il y a beaucoup moins d'influenceurs, ça sert à rien que vous ayez deux influenceurs chacun. On peut pas. Il vaut mieux que vous soyez à 100% dans vos tâches. Jess. Là. C'est vrai, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, Shana. Tu peux appeler Shana au relais, s'il te plaît, parce que ça me gonfle de faire des réunions en différé comme ça, parce que en fait, chacun vient quand il a envie de venir et tout, c'est galère. Qui va s'occuper des papiers? C'est quoi tes papiers? Enfin, ça veut dire quoi? Tous mes problèmes de papiers, il y a rien qui est classé, il y a tout qui traîne, des papiers, des contrôles fiscaux, j'ai des trucs de fous morts à gérer que je peux pas gérer parce que je les laisse, je les traîne, ils traînent, je les oublie, ils sont pas là. Tu vois ce que je veux dire? On va se mettre dans la merde alors qu'en fait, il suffit de traiter les choses. Steph, t'as trouvé quelqu'un pour faire les papiers? J'en avais rendu tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Mais quelqu'un qui sait écrire? Quelqu'un qui? Qui sait écrire, qui peut répondre, qui peut... Heureusement qu'il sait écrire. Qui sait lire. Super. C'est ça. L'idée, c'est qu'on n'est plus sur une DA de un influx par un influx. Maintenant, on est sur une DA d'une team. Ce que je veux, c'est on est une agence, on est une team, on est une équipe. On est tous en train de reconstruire une histoire. Et chaque influenceur a une histoire, quelque chose à raconter. Et un développement différent de l'autre. Il faut que ces 10 là, c'est le top. Et en fait, tout le monde va se donner de la force. Tu vois? C'est-à-dire que un tel va donner la force à un tel. On va faire des événements ensemble. On va faire des vidéos ensemble. On va faire des TikTok ensemble. On est une team. Il y a une équipe. Tu vois? Donc, l'ADA, oui,
tu peux continuer à t'occuper de tes enfants, mais pas que. Ça suffit plus. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde là ce que je veux? Ouais. Je te fais pas un reproche, je te dis juste que oui, mais aujourd'hui moi je peux pas en fait. Tu comprends qu'on peut pas? On ne peut pas financièrement, on ne peut pas. On ne peut pas se permettre d'avoir 14 TM pour gérer 3 personnes, on ne peut pas. On peut pas. Mais dans la vie, il y a pas, des fois on n'a pas le choix en fait. Et on fait tout ce qu'on peut faire pour sauver la boîte. Sinon, on s'en va. On s'en va, c'est tout. Moi, j'ai forcé personne à rester. Stéphane, il a forcé personne à rester. On vous a dit depuis le début, c'est la merde. Tout le monde doit apporter un petit peu de quelque chose. Parce que sinon, on ne peut pas. On ne peut pas amortir un salaire avec 3 influenceuses. Parce que tout le monde est dans la même situation. Je ne pense pas que ça fasse plaisir à Jessica de s'occuper de calculer les rentabilités des influenceurs. À la base, elle est déjà TikTok. On l'a embauchée pour s'occuper des TikTok des gens. Elle le fait, elle se retrouve vers la bouffe, elle. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que en fait tout le monde apporte quelque chose, on s'en fout de qui fait quoi, du contrat, tu vois bien qu'il y a tout qui va, tout est mélangé. C'est le bordel, donc soit on se pose, tout le monde met un coup de main, tout le monde rétablit le truc, soit on fait pas. Moi encore une fois, je vous le dis, je n'oblige personne. Comme les influenceurs, on les oblige pas à rester. Les influenceurs qui veulent partir, ils partent. Personne qui retient personne, tu sais qu'on ne bloque personne. On n'a jamais bloqué qui que ce soit. Tiens chérie, reviens s'il te plaît. Hein? Là je te mets les papiers, donc c'est les papiers des impôts. Donc je t'explique, je les ai déjà ouverts tout ça. Donc regarde, tu lis et tu envoies en urgence à l'avocat pour qu'il les traite. Parce ouais. Que moi j'ai pas le temps, c'est une priorité. Donc tu dis quoi? Je fais un résumé de chaque... Je fais un résumé de chaque courrier, moi je les ai déjà ouverts. Okay. Et tu lui envoies directement pour qu'il les traite. D'accord. Les impôts c'est méga urgent. Ok. J'ai reçu un contrôle fiscal. Alors, ouais, en fait, il y a plein de choses que j'ai reçues. Voilà, mais c'est pas possible, je peux pas aller jeudi là, il faut le décaler. Hein. C'est vrai? Oh là là, je vous aime trop. Non, mais moi, je veux bien y aller, ça me dérange pas, j'ai rien, au contraire, je vais y aller, mais juste, ils peuvent pas me convoquer là en 5 jours. Non, on y va, c'est mieux. Donc, ça, après... Donc ça c'est le contrôle, ok. Ensuite j'ai reçu un autre truc, je sais pas ce qu'ils veulent, sur Shona Evans. Donc c'est Stéphane qui vient de me le donner, 10 435 euros, je sais pas ce que c'est. Je vous l'envoie sur WhatsApp. Ok. Je vais tout vous envoyer ce que j'ai reçu, je pense que c'est peut-être mieux. Hein. Et il me renvoie un autre truc de Bobigny. Ah non, mais ça, c'est pour une influenceuse. Alors ça, c'est une influenceuse. Il lui réclame 78 000 euros. Bah, les impôts. Il m'a envoyé une lettre, là, en recommandé. Il nous réclame pour elle... Je comprends pas ce qu'ils veulent, en fait. Bah oui, ils nous disent qu'ils font des demeures de payer à l'encontre de cette même société pour le PRS d'Alpes-Maritimes, mais... quel rapport entre... Je comprends pas ce qu'ils veulent en fait. Et moi, cette influenceuse-là, je comprends pas qui c'est. Je sais pas de qui il me parle. Non ? Chérie, il y a Benoît qui arrive, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Eh ben, tu vas le recevoir parce que moi, je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'avocat, je dois partir. Donc, c'est simple. Toute seule ? Oui, tu le fais toute seule, mais c'est facile. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire ? C'est quoi tes directives ? Je t'ai sorti, c'est rentable. D'accord. C'est rentable par rapport à son minimum garanti. Donc l'objectif, c'est de lui faire comprendre que le minimum garanti, on ne peut plus lui donner. Et que dans le futur, bon, on continue bien évidemment à travailler avec lui parce que c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas du tout s'arrêter, mais dans d'autres conditions. Donc d'accord. Tu vois avec lui et tu t'excuses. Donc toi, le minimum garanti, tu dis c'est... Non, c'est fini. Ok. Bon, de toute façon, c'est toi qui décides, hein. Tu me dis ce qu'il faut faire. Non, mais voilà. Non, c'est vrai qu'il n'est pas un max. J'ai vu en vrai du coup. Allez vite. Je reprends du début l'histoire. Pendant plusieurs années, avant, t'as vu, j'ai toujours été là pour toi. Tu sais que c'était difficile. Tu sais que les premières années, je t'avais donné un minimum garantie, tu vois, pour que tu aies une sécurité financière. Je les rentabilisais pas, je te les donnais quand même. Et je pouvais le faire, et voilà. Là, depuis 18 mois, je me suis fait massacrer, on était par terre, moi j'arrivais plus à travailler, Stéphane il pouvait plus travailler non plus, on a récupéré la société dans un état catastrophique, on a eu ce dénigrement, tu vois, qui nous a fait, Abouba, il nous a massacré, plus aucune marque n'arrivait à travailler avec nous, parce que dès qu'elle travaillait avec nous, bah, elle se faisait harceler, puisqu'il se demandait à faire un appel
aller harceler s'ils travaillaient avec nous, les influenceurs pareil se faisaient harceler s'ils travaillaient avec moi, que nous on a continué à assurer aux influenceurs les minimums garantis en leur disant voilà on va te payer minimum temps. Mmh. Et donc ça a été très compliqué parce qu'en plus il y en a qui avaient des contrats, tu vois, enfin ça a été une galère. Donc on s'est retrouvé à devoir donner des minimums garantis des fois qu'on n'arrivait même pas avant même à amortir, alors qu'on n'arrivait même plus à avoir la force de réfléchir et de faire les choses, on n'arrivait pas, tu vois ce que je veux dire. Donc là aujourd'hui c'est très dur pour nous parce que non seulement bah, on a tout perdu, en plus bah, je suis dans un état un peu catastrophique, mais maintenant au moins je peux me reconstruire ce qui ne marchait plus. La société, bah, faut la remonter, tu vois, faut reprendre. Les influenceurs, bah, certains ont été super gentils, d'autres ont été beaucoup plus... Dur, voilà. Et donc, voilà. Donc, on a perdu beaucoup de gens aussi. En fait, je vais te demander de me tendre la main. J'ai besoin d'avoir... j'ai besoin de me reconstruire, en fait. J'ai besoin d'avoir une petite team, tu vois. Et ouais. Non, mais en plus, c'est... En fait, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin vraiment qu'on m'aide et qu'on me tende la main et que... Et que j'en oublie pas tout ce que j'ai fait, tu vois. Quel est le... L'aboutissant. J'ai besoin que tu restes avec moi. Que tu sois un peu conciliant sur ce qu'on te doit, les retards qu'on va te payer, juste être un petit peu conciliant là-dessus, de nous laisser un peu de délai parce qu'on a besoin de se refaire. Moi, ce que je te propose, je sais que tu fais le maximum, on était parti sur un minimum garanti avec une exclusivité pour être chez Shona Evans, en contrepartie, j'avais pas le droit de collaborer avec d'autres marques, chose à laquelle je me suis toujours tenue. C'est vrai. J'ai jamais collaboré avec personne. S'il y avait quelque chose, j'allais vers toi, je disais est-ce que je peux le faire, c'était oui, c'était non. La plupart du temps, tu me disais oui, mais il y en avait quand même très peu. Mais est-ce que du coup, tu restes en exclusivité avec moi? Est-ce que tu me laisses travailler avec toi et traiter ta boîte mail? Parce que je vais te dire quelque chose. Oui, aujourd'hui, je te laisse. Merci. Aujourd'hui, en fait... Moi, j'ai toujours travaillé avec toi, tu le sais. Je sais. J'ai toujours travaillé avec toi. Quand tu pouvais, tu pouvais. Quand tu pouvais pas, tu pouvais pas. Je viens toujours ici avec le sourire. Ouais, c'est vrai. Je te dis jamais rien. C'est vrai, c'est vrai. Je parle à toutes les équipes. Tu sais, je me suis retrouvée avec une agence où on a quand même... Bon, toi, c'était encore dans des petites mesures, c'est vrai, tu vois, c'était... Mais on a donné beaucoup, 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 beaucoup T'as donné beaucoup trop à certains qui n'en valaient pas la peine, et ça, je tiens à te le dire. Oui, mais après, tu vois, je sais que personne m'a mis le couteau sous la gorge, personne nous a obligés, on l'a fait, et volontiers, et jusqu'à un certain moment, on y arrivait, et ça se passait très bien, il a fallu que Booba, il arrive, qu'il y ait eu tout cet dénigrement et toute cette horreur qu'on a vécue, et en fait, je me dis, tu vois, pendant l'année là où j'étais par terre, où vraiment j'étais par terre, je me dis, ben... Il aurait fallu que plus tôt, peut-être, soit certains partent, soit certains restent, mais ils savaient qu'on avait des problèmes, tu vois. C'est vrai que quand tu as commencé à avoir des problèmes, je te l'ai dit. Je t'ai dit, Benoît, j'ai des problèmes, ça va pas, c'est pas facile. Mais je t'ai écouté, tu m'as écouté, etc. Maintenant, je me dis, il vaut mieux qu'on travaille peut-être avec moins de monde, tant pis, c'est comme ça, on va redémarrer à zéro sur une page blanche, on travaillera avec moins de monde, mais au moins, le peu qu'on a, tu vois, peut-être les 10, 15, pas plus des influenceurs qu'on va avoir, on va pouvoir s'y concentrer au maximum. Et tu m'avais dit, c'est vrai que moi j'ai du mal à te vendre, chose que j'ai compris, c'est pour ça que mon tarif n'est pas très haut. Et quand tu m'as dit, vas-y pour moi faire les apprentis aventuriers, je lui ai dit, c'est quand même une émission très dure. Est-ce que je me sens de perdre mon physique, tu sais à quel point je suis très sportif et tout. Et je me suis dit, j'y vais non seulement déjà pour toi, pour ramener de la communauté, des followers, de la visibilité dans ton agence également, parce que je fais partie de ton agence. Mais finalement, je regrette pas, c'était génial. Merci. Ils pensent que nous, on a encaissé, qu'on est plein, alors qu'en fait, on est vraiment en galère, qu'on a vraiment eu des problèmes, que c'est justifié, que c'est expliqué. Et là, maintenant que nous, on est dans la merde, ils font des stories pour dire « Ah oui, j'ai pas été payé, je suis... » Tu vois, c'est... En fait, je trouve ça tellement... Ne mords pas la main qui t'a nourri pendant des années. Je gagnais pas l'argent, mais que je le donnais quand même. Et ben, je faisais pas de story pour dénigrer les gens. C'est ça qui me blesse, tu comprends? C'est pas du tout... Je comprends. Voilà. Ah ouais, voilà. Ah non, mais toi, tu filmes tout, toi. Mais elle veut pour son mec. Non, moi, j'ai fait les branleurs. Ah, pas du tout. Je conseille Sin Full, hein, numéro 1 des masturbateurs pour hommes, incroyable. Là, on dirait une enceinte. Tu la mets comme ça, ma mère, une fois, elle rentre chez moi, elle dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Tu me mets la musique ?» Je fais « Ah non, maman, c'est mon branleur. » Mais comment elle marche, cette enceinte en Bluetooth? Mais comment je fais pour choisir? De quoi? Le branleur? Non, le... Quoi? Bon, faut que j'aille à mon vernissage avec Mélanie Dedigama.
Un vernissage, c'est quel En fait, jusqu'où je peux aller, comment je fais? Non, avec Marc, je pense que le plus simple, c'est que tu sois transparente et que tu lui expliques la situation actuelle. Comme on avait commencé à lui expliquer un peu. La situation actuelle de l'entreprise, de toute façon, il le sait. Il la connaît, mais c'est bien d'y remettre. Tu finalises ce qu'on s'est dit la dernière fois, donc il n'y a rien de plus avec lui en définitive. Je peux parler du spectacle et tout, qu'on a peut-être des idées pour développer son spectacle, tout ça, ok. Ok, vas-y, donc, ça va. Oui, c'est bon. Ok, je sais. Ouais, c'est mon bureau. Okay. Ça va? Placement de produit. Je t'explique. Tu sais que ma situation, elle est vraiment compliquée. Tu sais que c'est une catastrophe. Je suis au bout du rouleau. Je suis au courant. Ok. J'ai plus rien. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, je veux me reconstruire. Tu vois, je vais écrire une nouvelle histoire. Tout, je pense que l'influence a évolué. C'est très bien tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je crache pas dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire différemment. Et avec tout ce qui m'est arrivé depuis 16-17 mois, tu vois, et ben, je pense que j'ai pris une grosse leçon et que là, j'ai envie de travailler vraiment en profondeur. J'ai un fou rire. Là, mais il est bien ce mot profondeur. J'ai compris. C'est nul. Non, mais c'est drôle. Non, mais j'ai envie de travailler vraiment dans le fond. En profondeur. En profondeur. J'ai besoin d'une nouvelle team. J'ai envie de... On reprend. T'as besoin de couper le team en profondeur en fait, ou pas? Oui. Ouais. Non mais en vrai, non, pour être sérieux, j'ai besoin d'avoir... j'ai besoin d'évoluer et j'ai besoin de travailler là. Ça y est, je veux arrêter ma dépression, je veux arrêter de rester à morfondre dans mon lit, je veux arrêter, tu vois, je veux vraiment bosser et je veux faire une nouvelle histoire. Et voilà, j'ai besoin de ça et je sais que toi sur les réseaux, bah, j'ai repéré ton profil. J'ai vu ton... Je suis venue te chiner entre guillemets sur Instagram parce que t'es toi, parce que t'as un talent. Parce que tu as réussi à fédérer des gens et à créer une base de followers énorme sans sortir de nulle part, tout seul. Tu les gardes en plus, c'est-à-dire que les gens te suivent. Je regarde ton taux d'engagement sur tes réseaux sociaux, il est incroyable. Tu fais plus de likes, de vues, de commentaires que des gens qui ont 2 millions de followers. Et pour moi, c'est un challenge parce que je ne travaille pas avec des gens comme toi. Et je préfère te dire la vérité, être transparente avec toi. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme toi. J'ai jamais fait ça. Et je pense qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'on peut me reprocher, j'ai excellé dans la catégorie que j'avais. Aujourd'hui, tout évolue, tout change, et puis moi, j'ai eu tous mes problèmes. J'ai besoin de nouveaux challenges. Et en fait, pour moi, tu représentes ce nouveau challenge. Donc, je vais pas te vendre du rêve. Je vais pas te dire, ouais, alors tu viens chez moi. Pas du tout. Je suis par terre. J'ai plus personne. Tout le monde m'a sali, donc plus personne me fait confiance. Par contre, tout ce que je peux te promettre, c'est que je vais tout donner pour toi. Je vais me mettre à 100%. Et je veux que on arrive à faire quelque chose de grand. Je sais tu que... vas me faire chialer. Oh là là, elle va me faire chialer. Non, mais c'est la vérité. Ça tourne là. Oh, elle va me faire chialer. Oh là là, des trucs comme ça. Non, mais c'est ça. Tu peux continuer à parler, je t'écoute. Je voudrais, à un moment donné, avoir moins de gens. Je sais que je vais avoir moins de monde à m'occuper, et tant mieux, parce que ça va me permettre de me concentrer. Mais ce que je veux, c'est qu'on réussisse, parce que tu seras ma revanche. En fait, je suis pas hypocrite. Je vais pas te dire. En fait, ta réussite, ça sera ma réussite. Voilà, et ça sera ma meilleure revanche. Ça sera mon meilleur. Fuck à tout. De dire, voilà, aujourd'hui, je me suis reconcentrée, j'ai pris des nouveaux talents. Alors, j'ai encore des anciens qui restent avec moi, et heureusement, mais j'ai aussi des nouveaux, on est moins nombreux, mais on fait du travail de qualité. Et aujourd'hui, je vais essayer vraiment de te pousser vers le haut avec mon réseau, mon travail, ce que j'essaie de ma réflexion. Moi, c'est spécial, je ne suis pas un influenceur comme les autres. Ouais. Et on recommence à zéro. Oui, c'est ça. On va recommencer à zéro. On recommence à zéro. Merci. Donc, tu me fais confiance. Je te fais confiance. Ah, elle va me refaire pleurer, mais c'était la seule fois. C'est moi qui m'ai pleuré. Voilà, Magali, ma galoche. Franchement, en plus, tu veux que je te dise la vérité? Dis-moi tout. Moi, depuis que je suis ton profil, et ça, je te l'avais dit aussi, mais depuis que je suis ton profil, je comprenais pas comment ça se fait qu'un mec comme toi, avec le talent que t'as, soit pas déjà dans une agence, tu vois. Et quand je t'ai écrit la dernière fois, je me suis dit, écoute, vas-y, écris ça. Tu sais, ma grand-mère a toujours dit, t'as le nom dans la poche, parce que le nom, tu l'as déjà, essaye d'avoir le oui, tu vois. J'ai dit, donc j'écris. Et tu m'as répondu tout de suite. J'ai répondu, je suis ton homme. Ouais. Je suis ton gars sûr. Ouais, c'est vrai, t'as répondu tout de suite. Je sais que toi, t'as envie aussi de monter sur scène, t'as envie de faire de la scène, t'as envie de tout ça. Et moi, ben, aujourd'hui, si je peux tout apporter pour monter sur scène, pour faire un beau spectacle et qu'on réussisse ce spectacle ensemble, tu vois, ben, je serai la plus heureuse, tu vois. Que tu sois dans cette lumière et que tu excelles dans ce que tu sais faire, quoi. Moi, je suis entièrement partant. J'ai suivi ta carrière... via les réseaux sociaux, et je sais que tu es forte et je sais que tu es une battante. Ça se voit parce que une autre femme qui reçoit tous ces menaces et tout,
tout cet acharnement comme ça, elle se relève plus. Et là, déjà, t'es déjà debout. Bah, je vais encore debout, mais je vais arriver. Faut arrêter les... faut plus me reprendre et tout, je sais. Je peux pas ne pas me lever, je peux pas bosser, je peux pas ne pas faire ça, parce que t'attends... Tu vois, je peux pas te... Donc ça me force aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un comme toi. On a plus le choix. Non, j'ai pas le choix, voilà. Je veux pas... Y a pas de solution. Je peux pas perdre. Ça y est, j'ai trop perdu, j'ai trop laissé faire. Là, aujourd'hui, c'est fini. Ça y est, j'ai plus envie. Ça va ? Et toi ? Est-ce que tu penses pas que... qu'il serait judicieux que tu rappelles Aïm ? Enfin, je sais, même si on n'a pas tout mis en place, enfin, on n'a pas tout réglé encore avec elle, on ne s'est pas parlé et tout ça, mais est-ce que tu penses qu'elle te répond si tu l'appelles ? Mais oui, on s'est parlé au Maroc la dernière fois vite fait. Oui, donc elle va me répondre, c'est pas le sujet. Je vais l'appeler, je vais lui dire. Je vais lui dire quoi ? Je vais dire que je suis par terre, j'ai tout le monde qui me lâche, c'est la merde, que je suis à bout, j'ai plus de force, j'arrive plus à rien faire. On dirait que je suis la chie en fait. C'est tout. En plus, ils savent que t'es par terre, ils savent que c'est dur. Ils se font des plaisirs, frère, de faire des messages sur les réseaux pour ajouter des couches. Comme si en plus ça changerait quelque chose. C'est-à-dire comme si en plus ça va changer le truc. T'es là, t'as déjà... Enfin, je comprends pas en fait. Pendant 7 ans, j'ai tout fait. C'est comme ça les gens, c'est... Malheureusement, c'est comme ça. Les réseaux, de toute façon, ça... Aujourd'hui, tu veux quoi ? Tu veux qu'ils nous arrêtent quoi de plus ? Qui parle ou qui parle pas, en réalité. Laisse-t'es. Laisse-t'es dire les choses, c'est pas grave. Mais c'est tellement injuste. Ben oui, mais c'est comme ça, laisse-t'es dire les choses, ça va rien changer. De toute façon, qui parle ou pas, c'est pareil maintenant. C'est au contraire. C'est, tu sais, je vais t'expliquer. Tout le monde sait. Tout ce que tu dis, t'inquiète pas que les gens, ils le savent. Hein. Tu sais, tout le monde se retourne comme ça, comme tu l'as dit. Tout le monde a le droit de partir, mais on n'a pas besoin de prendre des réseaux, on n'a pas besoin de... Il y a 3 mois, c'était tout ce temps-là. Ta meilleure amie, il y a 2 mois, il y a un mois, il y a même une semaine. Tout ce que tu veux. Ben oui, mais c'est ce milieu qui veut ça. C'est ce milieu qui veut ça. C'est le milieu comme ça, donc tu vois, je te console. C'est dans ce milieu, c'est comme ça, et dans d'autres milieux, c'est pareil. Dans d'autres milieux, c'est la même chose. Dans le milieu où on est, les réseaux, les trucs, c'est toujours été comme ça. C'est une arme, les réseaux. Ben oui, mais c'est une arme, comme je tu dis. Je crois que c'est une arme. C'est vraiment une arme. Dans le bien comme dans le mal.